Depuis toujours, l'homme transporte des animaux destinés à l'alimentation. Les compagnies de transport, les exploitants des usines d'abattage et les inspecteurs ne sont pas les seuls à s'intéresser à cet aspect du traitement et de l'abattage des animaux de consommation. Cette question intéresse également les organisations soucieuses du bien-être des animaux, les éleveurs et leurs associations, les transformateurs alimentaires et tous les niveaux de gouvernement. Ainsi, la livraison des animaux destinés à l'abattoir, les personnes ou les compagnies qui transfèrent les animaux destinés à la consommation humaine des parcs à bestiaux vers l'abattoir sont entièrement responsables du bien-être de ces animaux à partir du moment du chargement jusqu'à la livraison. Selon le règlement sur l'inspection des viandes, une inspection antémortem doit avoir lieu sur tous les animaux dans les 24 heures qui précèdent l'abattage. Pour qu'il soit vraiment utile, l'examen doit être complet et effectué selon la méthode établie. Il vise à identifier les animaux qui démontrent des anomalies visibles et à les séparer des animaux normaux à leur arrivée à l'usine, tout en s'assurant que les animaux sont traités sans cruauté pendant toute la période qui précède l'abattage. Les résultats de l'inspection antémortem influenceront beaucoup les activités ultérieures. Par conséquent, il est essentiel d'établir un bon système de communication pour que les renseignements obtenus au cours de l'inspection antémortem d'un animal soient transmis aux inspecteurs qui en font l'inspection postmortem. Pour ce faire, cette information sera consignée sur le formulaire d'inspection antémortem ACIA 1438 qui sera envoyé au plancher d'abattage. Une fois l'animal examiné, il est acheminé vers la boîte de contention pour l'assommage. L'étourdissement se fait en général par un procédé mécanique.
Il s'agit ici d'une méthode nécessitant l'emploi d'un pistolet percuteur pénétrant ou non la tête de l'animal destiné à l'alimentation. Après l'étourdissement, les animaux sont suspendus à l'aide d'un treuil, acheminés vers l'aire de saignée et saignés le plus rapidement possible. L'aire de saignée doit être assez vaste pour contenir tout le sang des animaux. Le couteau utilisé pour la saignée doit être assaigné entre chaque carcasse. On doit éviter de contaminer le sang récolté pour la consommation humaine et identifier celui-ci à la carcasse. L'équipement utilisé pour récupérer le sang doit être assaini entre chaque carcasse ou groupe de carcasses selon le cas. On peut prévenir la coagulation du sang récolté en y ajoutant des anticoagulants approuvés ou par défibrillation mécanique. Cette dernière opération doit s'effectuer à l'aide de batteurs métalliques ou plastiques acceptables et non à la main, nettoyés et assainis après utilisation. Il est à signaler que les étiquettes d'oreilles doivent être attachées à la carcasse après avoir été insérées dans un sac en plastique. Les dispositions relatives à l'identification des animaux exigent que l'exploitant de l'établissement où on abat un animal portant une étiquette approuvée assure l'identité de la carcasse jusqu'à son approbation pour la consommation humaine ou sa condamnation. L'identité de l'animal est préservée par une étiquette d'identification qui figure sur la carcasse, la tête, le sang et les viscères correspondants. Au cours du dépouillement ou de l'écorchement de la carcasse sur l'oreille, plusieurs étapes se déroulent. Le dépouillement doit commencer au niveau des jarrets arrière après ablation des pieds et se poursuivre vers le bas pour que la peau soit repoussée à l'écart de la carcasse. Si on emploie des chaînes ou d'autres matériels pour retenir la carcasse durant le dépouillement, on doit les assainir entre chaque carcasse. On enlève le pis qui renferme du lait pour qu'il ne souille pas la carcasse, les installations ni le matériel. Toute trace de contamination de la carcasse doit être immédiatement parée. Lorsque la situation se présente, on doit également enlever le pénis en prenant garde de ne pas contaminer la carcasse avec l'urine. Ensuite vient le dégagement et la ligature du rectum. Une incision circulaire a été pratiquée autour de l'anus et on a pris soin de laisser le sphincter de l'anus intact. Puis, on attache ensuite le rectum et le col de la vessie pour empêcher toute contamination et on les laisse tomber dans la cavité pelvienne. S'ensuit le dégagement de l'ésophage. On a recours à la technique de rodding qui permet de dégager l'ésophage de la trachée et des poumons et de l'extraire de la carcasse sans le briser après l'avoir ligaturé en lui faisant traverser le diaphragme et la cavité thoracique. La tige d'acier utilisée pour cette opération doit être assainie entre chaque carcasse. L'ésophage doit être ligaturé avant l'éviscération afin d'empêcher la contamination de la carcasse et des viscères par le contenu du rumen. Peu importe la méthode employée pour le dépouillement, la peau doit être transportée immédiatement à la section des produits non comestibles de l'établissement sans devenir une source de contamination. Si on se sert d'une chute ou d'un convoyeur, il faut qu'il soit adéquatement protégé. Si on franchit une porte, elle devra être munie d'un dispositif automatique de fermeture. La tête doit être immédiatement séparée de la carcasse après son écorchement afin de prévenir la contamination des surfaces exposées. Elle sera ensuite préparée pour l'inspection. Les installations doivent également être conçues de façon à ce que les têtes n'entrent pas en contact les unes avec les autres avant la fin de l'inspection et de la disposition des carcasses. La poitrine doit être fendue au niveau du sternum avec une scie qui sera assainie après chaque utilisation. La poitrine est ouverte afin de faciliter l'enlèvement des organes de la cavité thoracique. Lors de la fente de la poitrine, l'employé doit éviter de perforer les viscères afin de ne pas contaminer la carcasse. Puis, on procède à l'ouverture de la cavité abdominale qui doit s'effectuer sans contamination de la carcasse ou des viscères. Ces derniers seront déposés sur une table d'éviscération afin d'en permettre l'inspection.
La manutention des carcasses doit toujours être parfaitement synchronisée avec celle des viscères. La carcasse, les viscères, la tête et le sang destinés à la consommation humaine doivent être identifiés et les lésions pathologiques ne doivent pas être enlevées avant l'inspection post-mortem. Généralement, l'examen des viscères se fait pendant la fente de la carcasse éviscérée. L'inspection de la carcasse suit celle des viscères et cela va de soi celle de la tête. L'inspection post-mortem des bovins se base sur un examen routinier, soit la palpation, l'examen visuel ou l'incision au besoin, des viscères thoraciques, le cœur et les poumons, de la tête et de ses nœuds lymphatiques, de la langue, des viscères abdominaux, incluant le rumen, le réseau, le feuillet, la caillette, le foie, la rate, les reins et les intestins, et de leurs nœuds lymphatiques, ainsi que des parties exposées de la carcasse interne et externe. Lorsque des maladies ou des anomalies importantes sont signalées par le personnel d'inspection sur la chaîne d'éviscération, ou bien dans le cas où la carcasse provient d'un animal déclaré suspect lors de l'inspection antémortem, il convient de soumettre les organes et la carcasse, y compris les nœuds lymphatiques, à un examen plus détaillé par un vétérinaire. Bien que l'inspection des articulations et des muscles externes permette de déceler la plupart des lésions, il faut que l'inspection de routine des carcasses comprenne un examen de la cavité abdominale, du diaphragme et de ses piliers, du péritoine, de la plèvre et du cou. Avant la fente, le sang coagulé, la trissure et tout autre contaminant doivent être éliminés du dos de la carcasse afin d'empêcher la contamination des autres surfaces par la scie. Toutes les opérations de parage de la carcasse afin d'éliminer la contamination doivent s'effectuer dans l'aire prévue à cet effet. La moelle épinière doit être complètement enlevée des carcasses fendues, et ce, avant la douche finale. Le fabricant devra mettre en œuvre un contrôle des procédés afin de s'assurer que l'enlèvement de la moelle épinière est complet et efficace. Avant l'étape du lavage final, un employé de l'établissement devra inspecter toutes les carcasses pour en vérifier la propreté. Les carcasses sont alors pesées, approuvées et classifiées. De la carcasse vise à débarrasser cette dernière des résidus de sang et de la sciure d'os. Adopter un procédé de décontamination des carcasses dans le but d'assurer une viande exempte de pathogènes tels E. coli 0157H7. Certaines usines ont choisi la méthode par la vapeur pressurisée. Cette technique de pasteurisation à la vapeur expose la carcasse pour 6 à 8 secondes à de la vapeur très chaude après le lavage de la carcasse, suivi d'un passage à l'eau froide avant l'entrée dans les chambres froides. Ces dernières continuent leur chemin sur le rail principal vers les chambres froides pour un refroidissement complet. Dès qu'elles auront atteint 4 degrés Celsius, les carcasses seront expédiées dans des camions réfrigérés et acheminées vers les usines de découpe pour transformation ultérieure.